la machine communique directement en fait à ton logiciel, pas ton Mac. Donc tu peux quitter après celui-là une fois que tu as fait l'interface. Ouais. Mais si tu utilises ça en MIDI, il faut que tu gardes l'interface de ton Mac. Connect, je vois qu'il a reconnu le lémur ici. Ouais. Automatiquement, donc le connect. Là, ils sont connectés. Ouais, sur la nouvelle version du soft, on a fait cette chose-là où tu n'as plus besoin d'uploader en fait, l'interface. Ouais, ouais, tu la bouges, tu vois, c'est tiens. Donc voilà, donc en gros là-dessus, là en fait il va par interface, il va attraper celui de la boule qui est la plus proche du doigt. Ça dépend de. J'ai les disques, tu peux, je pense, jouer toi avec les disques. Ouais. Pas de limite, ah ouais, c'est théorie, tu vois. Super. Là le. Ça c'est un truc paramétré physiquement. Voilà, t'as un mode, regarde, là il y a un truc, je suis pas hyper carton là-dessus, j'ai pas trop exploré, mais t'as plusieurs modes de jeu. Genre barre centre, enfin si tu veux la boule, tu vas récupérer le truc, ou alors là, si tu veux récupérer la boule la plus vieux, ou alors la plus près, donc tu peux définir comme ça le mode de jeu que tu peux avoir. Et après sur les propriétés physiques, là on est sur un mode interpolate, t'as ce truc donc de ressort sur la caméra. Ouais, là c'est ça, ouais. Si tu mets sur non, du coup, normalement ça va arriver, ça va suivre. Je suis en haut là, tu vois. Ouais, là tu vois, j'ai juste ce mode mass spring là. Ouais, là où je peux définir, soit manuellement comme ça, par exemple, là je vais passer une friction à 0. La planche n'a plus de friction, donc la boule va jamais, tu vois, s'arrêter. Ouais. Et si tu la rattrapes, ah, d'accord, c'est génial. On peut vraiment s'amuser avec un peu pareil. Et voilà, et après t'as donc ce mode là qui est où tu enlèves la physique, t'as plus de physique et où la boule va arriver, tu vois directement au doigt. Ouais, d'accord, très bien. Avec un petit peu de latence, quoi. Ça dépend des paramètres. Là, tu sais quand même. Pas trop vite. Après, c'est directement, tu vois, ta boule est arrivée. Ouais, ouais. Là, je pense que c'est plus, tu vois, un truc de rapprochissement de l'écran. Ouais, d'accord. Alors voilà, c'est pareil sur les objets, en général ça dépend desquels, mais tu peux changer, tu vois, leur couleur et ouais. Tu veux avoir le nom. C'est toujours le même nombre de paramétrages, tu peux les mettre aussi en maxing par exemple. Voilà, exactement. Ouais. Ça dépend des objets, pareil, sur chaque objet a des propriétés physiques différentes, quoi. Ouais. Mais en général, ça revient souvent, quoi, si tu as les tensions. Je peux très bien, effectivement, comme tu dis là-dessus, tirer la friction sur le plaisir du haut. Ah, ça c'est génial, ouais. On peut vraiment tout paramétrer comme on veut. J'avais essayé ça aussi. On peut le faire. Mais pareil, au niveau de la précision, tu peux définir une précision à 0. Donc, plus ton interface est grande, tu vois, et plus c'est lourd aussi graphiquement. D'accord. C'est pas ce que tu peux faire avec. Mais là, si tu remplis vraiment une planche, ça dépend aussi de la taille de l'objet. Ouais, c'est clair que là, ça va beaucoup plus. Surface de contrôle dans la surface de contrôle. Voilà. Ça c'est excellent. Ouais. Pareil, tu peux du coup, tu vois ici, tirer les. Par exemple.